retrouve pour une nouvelle vidéo, présentation bougie d'une marque VDI pardon, qui s'appelle Essential, non, Essentiel A. Pardon, si j'écorche le nom, ça va pas le faire. Donc je vous montre mes petits achats. Par contre, j'essaierai de mettre les prix au montage parce que comme c'est sur mon téléphone, je n'ai pas les prix de visu vu que je filme avec mon téléphone. Donc je vous mettrai ça au montage. Donc je me suis pris le brûleur huile essentielle parfum cire parfumée comme ceci. Il l'appelle forêt et il est blanc. Je vais vous le montrer. Il est super joli. Il est comme ceci. Donc là, on met les huiles, les fondants et ici, on met la petite bougie chauffe-plat. Voilà, il est super joli. Ensuite, j'ai pris les fondants comme ceci. Ça, c'est les Solo. C'est les anti-tabac fruité. Donc, en fait, c'est des bougies végétales 100% made in France. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont faites à la commande. Elles n'ont pas de stock. Elles sont faites à la commande. Donc, si vous commandez aujourd'hui, par exemple là, elles seront faites peut-être cet après-midi. Ou sinon, elles seront faites demain. Donc, franchement, je trouve ça super parce que c'est pas de, il n'y a pas de gâchis comme ça. Elles sont faites au jour le jour. Il n'y a pas, ils n'ont pas de stock. Donc, celle-ci, c'est anti-tabac fruité. Ah. Ouais, elles sentent bien le fruit. Ça sent super bon. Elles sont super bon. J'ai pris les pastilles vegan, ylang, patchouli, comme ceci. Et je les ai sentis aussi, franchement, ça sent super bon. Ça sent bien le patchouli. Ça sent super bon. Donc oui, comme je vous disais, regardez, j'ai passé commande le 25. Et si le téléphone veut bien faire le focus. Ça veut pas. Donc je vous montrerai sur les bougies. J'ai passé commande le 25, ça a été fait le 27. Là, je sais pas si vous allez voir, ça a été fait le 27. Voilà. Ensuite, j'ai pris la bougie intemporelle 20h coco gourmande et je peux vous dire que ça sent super bon la coco. Franchement, c'est fou, une tuerie. Donc voilà, comme je vous disais, si le téléphone fait bien le focus, vous verrez la date ici. Ça a été fait, ça veut pas, bien sûr. Ça a été fait le 27. Et la dernière bougie que j'ai prise, c'est la bougie intemporelle Monoï de Tahiti en 20 heures aussi. Donc les deux là, c'est des 20 heures de combustion. Et celle-ci, elle a été faite le 28. Et franchement, ça sent vraiment le Monoï. Et elle est jaune. Je ne sais pas si vous allez voir, comparé à l'autre qui était blanche. Non, on ne voit pas bien, mais bon. Et franchement, je peux vous dire que quand j'ai ouvert le colis, ça sent super bon. Donc là, voilà, la date, le 28. Ça sent super bon. En ouvrant le colis, ça parfume déjà. Donc là, les pastilles vegan, on peut les mettre dans l'armoire, dans, par exemple, aux toilettes, dans des petites pièces, en fait, qu'on veut parfumer. Donc les armoires, les dressings. Les toilettes, etc. Et une fois qu'ils n'ont plus d'odeur, ma conseillère m'a dit qu'on pouvait enlever toutes les décos qu'il y a dessus et s'en servir en fondant pour les faire fondre.
Donc voilà, dès que j'en aurai utilisé, et même vous allez. Dès que j'aurai utilisé, vous aurez mon avis en vidéo. Et voilà. Et donc oui, c'est du VDI aussi, comme ce que je vous ai présenté juste avant, si vous avez la vidéo avant, bien sûr. Et donc là aussi, je vais avoir un partenariat d'ici la fin juin, début juillet. Donc je vous tiendrai au courant et je vous montrerai tout ce que j'aurai reçu. Et quand j'aurai testé, je vous en parlerai plus. Donc voilà pour cette vidéo présentation bougie essentielle, non essentielle, essentielle A. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous. Bye bye tout le monde!